لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته زلاب بيان بيافنو سو ماشين، مون بروف اديستونس. Dans cette troisième partie de notre leçon ordre des nombres rationnels et opérations، on va corriger les exercices de la page 156. Voici la page 156. La page 156 contient des exercices d'application. Ce sont des exercices très importants. Alors j'espère que vous allez faire un effort avant de voir la solution. Et aussitôt que vous aurez fini, vous pouvez voir la solution, bien sûr. Alors bon courage et on continuera après donc euh, voici l'exercice 1 page 156 compléter les pointillés par inférieur ou, ou égal ou supérieur ou égal donc ici on va utiliser euh, la règle si vous voulez principale dans cette leçon donc, quelle est cette règle Donc, c'est quoi Le, Si on a A moins B, A et B, deux nombres rationnels, bien sûr. Si on a A moins B est supérieur ou égal à 0, alors on peut dire que A est supérieur ou égal à B. Et si on a A moins B est inférieur ou égal à 0, alors on peut dire A inférieur ou égal à B.

Donc A moins B égale égal à 5 sur 3. 5 sur 3, il est comment Il est positif. Donc A positif. Donc qu'est-ce qu'on va dire A est supérieur ou égal à B. A moins B maintenant, c'est égal à moins 11. Et a moins 11, il est négatif. Donc on peut affirmer que A inférieur à B. A moins B, c'est égal à moins 6. Moins 6, il est négatif. Donc dans ce cas-là, A inférieur à B a moins b égale à 13, 13 positif alors je peux dire a supérieur ou égal à b donc euh, maintenant on passe à la deuxième ou bien au deuxième exercice regardez ici ici on va utiliser euh, pas mal de règles c'est très très important donc on a donc euh, quelles sont ces règles là je ne donc si on a, regardé, si on a par exemple A, il a un A inférieur ou égal à B ou la A supérieur égal à B, c'est pareil. Donc on a A ou b Bon dire A inférieur B. Donc on peut ajouter le même nombre, on dit du N'importe A plus C inférieur ou égal à B plus C. Hein? Donc ça reste inférieur ou égal. Je peux soustraire le même nombre. On traite un Quoi encore je peux, euh, je peux aussi quoi Je peux multiplier, mais faites attention. دونك حتى هنا الا كان عندنا سوبيريور سي اون ا سوبيريور هنا غتبقى سوبيريور هنا سوبيريور يعني لو سونس دو دو لينيغاليتي نو شونج با هاد المتس هاد لينيغاليتي هاد المتفاوته كتسمى المتفا انفيريور ولا سوبيريور كتبقى دونك نو شونج با دونك الا كانت ا آه انفيريو غرا بي لازمنا سي وزدنا سي كتبقى انفيريو الا نقصنا سي ونقصنا سي انفيريو لي سونسييل هو اللي مهم هو اننا نزيدو نفس العدد او لا نقصو نفس العدد ici إيه regardez On peut multiplier par C. Mais faites attention. Lorsqu'on multiplie, on doit multiplier pour, pour garder euh, le même sens. Si inférieur ou égal le C, le nombre, la multiplication doit être supérieure à 0. Donc, il n'y a qu'un positif, inférieur. Mais si on multiplie par un nombre négatif, si on a C inférieur à 0, on aura A fois C supérieur ou égal à B fois C. Donc faites attention. Euh, la même chose, le, la division. On peut diviser. On va dire A sur C, inférieur ou égal à la B, euh, A B sur C. Euh, on parle de, de ce cas-là lorsqu'on a A inférieur ou égal à la B. Donc on a le, au départ, A inférieur à égal à B. Donc je peux dire A sur C inférieur. Mais dans ce cas-là aussi, C doit être positif. Donc ce code C est positif. Mais si C est, est inférieur à 0. C'est La même chose, euh, la multiplication neuf chers a dit qu'on a A inférieur à C inférieur à B sur C. Donc ce, ce sont des règles très importantes. Donc euh, très bien, on ouais, le résumé. On le socle là, on a chi. la différence. j'ai a moins B inférieur à 0, alors A inférieur à B, c'est-à-dire la règle de comparaison. Donc euh, voilà, c'est ça ce qu'on va utiliser ici. Donc je, on va voir dans chaque cas qu'est-ce qu'on a. Donc, donc regardez. On a x supérieur à 9. On a x supérieur 9. Alors, x plus 2 il est supérieur à quoi? Donc, qu'est-ce que je vais dire Qu'est-ce qu'on a fait à x On a ajouté 2. 2. Donc on va utiliser de la propriété. X plus 2. Donc de l'autre côté, on 9, 9 plus 2. Donc, euh, je peux ajouter le même nombre. Donc, x plus 2, ça va être supérieur à 9 plus 2. Et 9 plus 2, ça va être 11. Donc, voilà euh, la réponse. Ici, regardez. On a x supérieur à moins 8. Ici, on a x moins 5 supérieur à quoi Donc, qu'est-ce qu'on a fait à x Je nous donne x On a soustrait 5. Donc, donc on va dire x moins 5 supérieur ou égal regardez. Donc dire, on dire que ce terme, on moins 8, moins 5. Regardez. Donc moins 8, moins 5, faites attention au calcul, c'est moins 13. Donc on aura ici moins 13. Donc, a, regardez, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a x. On est 3x. Donc, qu'est-ce qu'on a fait on a multiplié x par 3 et 3 c'est un nombre positif donc regardez je vais multiplier x par 3 voilà donc l'inégalité ça va être ça ne va pas changer donc elle pas inférieur ou égal qu'un ténia inférieur inférieur pourquoi parce que j'ai multiplié par 3 qui est positif donc je vais multiplier ici par 3 3 fois 2 sur 3 donc j'ai multiplié les deux membres 1, x, mais 3 2 sur 3, 3. Donc, euh, voilà. Donc, je simplifie ici. Qu'est-ce qu'on aura Inférieur ou égal à 2. Quoi encore x supérieur à moins 5. Yac. Alors, regardez. Moins 2x, regardez. Donc, qu'est-ce qu'on a fait à x On l'a multiplié par moins 2. Faites attention ici, l'art de maïa, là, x supérieur, donc ça va être inférieur. Pourquoi Parce qu'on a multiplié par un nombre qui est négatif, les moins 2. Moins 2 fois x doit être inférieur à moins 2 fois moins 5. Donc regardez ici, moins 2 fois x, ça va être moins 2x. Moins 2 fois moins 5, ça va être 10. Ici, regardez. Donc a moins 5x supérieur à 4. Donc x, x, il est devenu moins 5. Donc, les équations. Donc, qu'est-ce qu'on a fait On a divisé par moins 5. Donc, x euh, moins 5. Moins 5 x, faites attention, lorsqu'on divise par un nombre négatif. C'est la même chose que lorsqu'on euh, multiplie le, 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 le sens de l'inégalité. Donc il va changer. On va changer le, le sens. Donc on a supérieur à tout inférieur. Pourquoi? Parce qu'on a divisé par un nombre qui est négatif, le moins 5. Regardez, moins 5. Hey. Donc on a supérieur, on inférieur. Il y a déjà que vous a inférieur. Donc je simplifie par moins 5. Et on aura x inférieur à quoi? Moins 4 sur 5. Regardez ici encore. Faites attention, qu'est-ce qu'on a? On a moins 1 sur 7 fois x supérieur ou égal à 0. Alors x inférieur ou égal à quoi? Regardez, qu'est-ce qu'on a fait? Donc même h moins 1 sur 7. Donc il est. Comment? Qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier par moins 7. Donc standard moins 7. transforme, on a moins 1 sur 7. Donc je vais multiplier. Donc moins 7, il est comment Il est négatif. Donc supérieur à dit inférieur. Donc moins 7 fois, lorsque je multiplie par un nombre négatif, l'inégalité change de euh, sens. Il est supérieur à 1 inférieur, il, euh, il devient inférieur. Donc moins 1 sur 7 x, voilà, inférieur ou égal à 0. Parce que moins, moins 7 fois 0, ça va donner 0. Donc moins 7, voilà, je simplifie. Attends, si on a euh, 1 moins 7 fois moins 1 sur 7, c'est 1. Donc, il y a dit x inférieur ou égal à 0. On passe au suivant. Regardez ici. Ici, on va utiliser une propriété qu'on a vue dans la leçon. Ça s'appelle l'encadrement. Qu'est-ce que c'est que l'encadrement L'encadrement, on va écrire un nombre entre deux nombres. Et on a x, il est encadré par a et c'est x entre A et C, Y, entre B et D. Donc, euh, la conséquence, qu'est-ce qu'on va faire C'est d'encadrer de, la somme. Vous n'encadrez ou la somme. X plus Y, ça va être entre, entre quoi et quoi Mais nous, on va utiliser ce qu'on a vu dans la leçon. Qu'est-ce qu'on a vu On a vu ça, regardez. Donc, de la règle. Donc, si on a A. Ah, Inférieur ou égal à B et C inférieur ou égal à D. C'est ça ce qu'on va utiliser. Donc je peux additionner A et C et B et D. Donc il a indiqué A inférieur ou égal à B ou C inférieur ou égal à D. Je peux dire A plus C. Je peux conclure que A plus C inférieur à B plus D. C'est ça ce qu'on a vu dans la leçon. Donc il A, a et B et C et D, euh, ils ont euh, décidé n'importe, qui m'envoie au nous, il est dans A inférieur à B et C inférieur à D alors je peux écrire comme ça A plus C inférieur à B plus D. Regardez maintenant c'est ça ce qu'on va utiliser regardez, donc Ré A inférieur à X inférieur à C, je peux la décomposer comme ça, je n'ai rien A inférieur à X inférieur à C, c'est à dire A inférieur à X et en même temps X inférieur à C, il y a sera A inférieur à X ou x A inférieur C Ici encore, y il est entre b et d. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que b il est inférieur égal à y et y aussi inférieur égal à d. Regardez maintenant ce qu'on va faire. Donc là, Donc qu'est-ce qu'on va faire Donc on va combiner à dire, à dire, à dire a inférieur égal à x et b inférieur égal à y. Donc va dire a plus b inférieur égal à x plus y. C'est ça ce que je viens de dire. Hat chili hat koltri gwi là a inférieur à b c inférieur à d alors qu'est-ce qu'on a dit alors a plus c il est inférieur à b plus d elle dit c'est une règle donc est-ce que nous a mais b ou x mais y a plus b x plus y quoi encore regardez et x inférieur à c y inférieur à d donc qu'est-ce que je vais écrire x plus y inférieur à c plus d Là, il y a x plus y inférieur à c plus d regardez maintenant si on a regardez on a, a plus b inférieur à x plus y et en même temps x plus y inférieur à, y à c plus d donc qu'est-ce qu'on va qu'est-ce qu'on peut dire on peut dire que a, x plus y il est entre quoi il est entre quoi Entre A plus B et C plus D. Donc je peux écrire A plus B, ou et C plus D, le voilà, C plus D. On passe au suivant. Ici, c'est une application. Elle dira application avec quoi Donc la conclusion, il a dit la conclusion, c'est quoi la conclusion Il a dit X entre a et c dans l'encadrement de x ou dans l'encadrement de y si je veux encadrer la somme je vais additionner a et b et c et d donc il a huit encadrer x plus y hein, x plus y ou ouais, là. donc je vais additionner a et b ou c et d c est une appel, c est en général elle dit en général mais ici qu'est-ce qu'on va faire on veut encadrer quoi regarde encadrer x plus y et après donc, on va d'abord répondre à la question numéro 1. Il y, y a, dit, encadré plus Y. Voilà, X, il est entre 2 et 3. Y entre moins 3 et moins 1. Donc, d'après la première question, on va dire, d'après 1... Donc, d'après la première question, il a dit... Donc, il a dit, d'après ce qu'on a vu ici... Donc, euh, on, on peut dire directement, X plus Y, il doit être où Entre quoi et quoi Regardez... Donc, euh, d'après ce qu'on a vu, le résultat, je mets un axe Donc 2 plus moins 3. Et je vais ajouter 3 plus moins 1. Donc voilà, on va additionner un démarrage. Un à x moins y. 2 plus moins 3, ça fait moins 1. Inférieur à x plus y. Inférieur à quoi? 3 plus moins 1, ça fait 2. Voilà l'encadrement de x plus y. Ici, regardez, encadrer moins x. Donc, on a l'encadrement de x. Donc, faites attention, Et dans a l'encadrement. On a, on va dire, on a euh, 2, il est inférieur ou égal à x. C'est ça. Inférieur ou égal à x. Euh, inférieur ou égal à 3. Nous, on veut encadrer moins x. Qu'est-ce qu'on va faire Donc, aide le moins, qu'est-ce qu'on va faire On va multiplier x par moins 1. Si on multiplie x par moins 1, on va utiliser la, la, la règle qui dit lorsqu'on multiplie euh, les membres d'une inégalité par un nombre négatif, il change de sens. Donc, il a devenu un 9 moins 1. Qu'est-ce qu'on aura On aura ici moins x, on a moins 2, moins 3. Mais il va changer le sens. Donc, radiolé, moins 3, rangé, multiplié par moins 1. Inférieur à moins x, inférieur à moins 2. C'est ça il a donné un mauvaise beau Donc, on va changer l'ordre de ces nombres. Voilà. On déduire un encadrement de y x. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser ici La remarque suivante. Regardez. On sait que y x. Bien sûr, on va utiliser. On déduire d'après ce qui précède. Bien sûr. On a y x. C'est quoi Ça, c'est une pour encadrer une différence. tu compris lorsqu'on vous demande d'encadrer de une différence. C'est quoi la différence y moins x C'est y plus l'opposé de x, les y, x x. Donc, regardez. Donc pour encadrer y x, je vais encadrer x plus moins x. Et y plus moins x. Donc, j'ai moins x, voilà l'encadrement de moins x. Et j'ai l'encadrement de y. Voilà. Vous voyez Dans l'encadrement de y, qu'est-ce que je vais faire je vais dire, on a dans, maintenant, on a y plus moins x. Il doit être entre quoi et quoi? Donc voilà y. Là, ouais. Donc moins 3, je vais lui ajouter moins 3. C'est ça. Donc moins 3 plus moins 3. Après, quoi encore? Et euh, moins 1, je vais lui ajouter moins 2. Oui quand je mets un pour avoir y plus moins x. Et c'est quoi y plus moins x C'est y moins x, c'est y moins x inférieur ou égal. Ici on aura moins 6. Faites attention, c'est pas 0. Moins 6 c'est là moins 1 plus moins 2 c'est moins 3. Voilà l'encadrement de y moins x. On passe au suivant. L'exercice 4 complété. Donc euh, on va utiliser toujours les règles, ce qu'on a vu dans le deuxième ici, ou bien le, voilà, l'exercice 2, c'est la même chose. Donc on va utiliser donc les propriétés. Donc euh, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on a ici Donc compléter. Donc on a X. Regardez ici. On a X plus quoi. Donc euh, faites attention. Donc on a ici. Donc euh, qu'est-ce qu'on a on a x supérieur à 3. Yeah. Donc qu'est-ce qu'on a fait à x? On a ajouté 4. Donc, on dit x plus 4. On va ajouter 3. On va lui ajouter 4. Regardez. Donc on va avoir x plus 4 supérieur à 7. Ici, qu'est-ce qu'on a? x inférieur à moins 3. Donc qu'est-ce qu'on a fait à x On a soustrait 7. Donc, ce on a Donc regardez, x moins 7. Inférieur ou égal à moins 3 moins 7. Donc, si on soustrait le même nombre, il y a un nombre qui est inférieur ou égal. Donc, c'est quoi ça x moins 7. Alors, x moins 7 doit être inférieur ou égal à moins 10. x inférieur ou égal à moins 4. Regarde, qu'est-ce qu'on a fait à x On la multiplie par 2. Et 2, c'est un nombre positif. Donc, il a un nombre positif, ça ne change rien. Donc, 2 fois x inférieur, ça reste inférieur. Oui, la quinte supérieure à supérieur. 2 fois moins 4. Pourquoi Parce qu'on a multiplié par un nombre positif. Donc 2x, ça va être inférieur à moins 8. Ici, qu'est-ce qu'on a fait On a multiplié x par un nombre négatif moins 3. Donc si je multiplie x par moins 3, on aura moins 3 fois x. Faites attention, maintenant, ça va paraisser inférieur à tous les supérieurs ou égal à moins 3 fois 5. Donc, ici, on aura supérieur ou égal à moins 15. Ici, qu'est-ce qu'on a fait Regardez. Ah, on a moins 4x inférieur à 9. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait x Ah, qu'est-ce qu'on va faire Donc, eh ben, h moins 4, hier. Donc, qu'est-ce qu'on va faire On va diviser par moins 4. Et si on divise par un nombre négatif, c'est la même chose que lorsqu'on multiplie par un nombre négatif. Donc, on va écrire moins 4x divisé par moins 4 supérieur à 9 sur moins 4. Je simplifie par moins 4 et on aura x supérieur à moins 9 sur 4. Regardez ici, x aussi, donc qu'est-ce qu'on va faire On va diviser par 7 pour se débarrasser de x. Euh, donc je vais écrire 7x, maintenant 7 c'est un nombre positif, alors ça va rester inférieur parce que 7 c'est positif. Donc, je vais écrire x inférieur, inférieur à 2 sur 7. Tout simplement. On passe au suivant. L'exercice 5. Regardez, presque les mêmes questions. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici On a les équations. On a les équations. Donc, qu'est-ce qu'on a fait On a soustrait. 5. Donc, regardez. Donc je vais écrire x plus 5, moins 5. Parce que na avons x Donc, inférieur à quoi À 0, moins 5. Je simplifie et on aura x inférieur. Regardez ici. Donc, il y a dit euh, relier les inégalités suivantes par une flèche. Donc, voilà, relier donc, il y a dit. Voilà, euh, donc x inférieur à moins 5. Et là, regardez, qu'est-ce qu'on va faire? Euh, qu'est-ce qu'on a? Donc moins 3x. Moins 3x inférieur à moins 2. Donc moins euh, 3x inférieur à moins 2. Donc vous allez constater que voilà, il lui correspond il lui. Pourquoi? On va diviser par non plus. Là. Donc. Euh, ça va être quoi X, ça va être. Non, si on, on divise par moins 3, donc ma distance, c'est 3 sur 2. Donc, mais y Donc, voilà, il y a les là Pourquoi On a multiplié, ici, pour se débarrasser de moins 3, on va multiplier par moins 1 sur 3. Et si on multiplie moins 3x, regardez, moins 3x ou bien on multiplie moins 1 sur 3, regardez, moins 1 sur 3 fois moins 3x, on a multiplié par un nombre négatif. Donc ça va être supérieur ou égal à quoi À moins 1 sur 3 fois moins 2. C'est ça. Donc, regardez, je vais, donc, à la 39, nombre négatif, d'excellences de la, pardon, supérieur ouais, euh, Supérieur strictement, l'un inférieur strictement, ça, ça va rester euh, strictement, c'est-à-dire supérieur. Donc, là, il y a 3, 3, 3, 3. qu'est-ce qu'on aura X supérieur à moins, 2 fois moins 1 sur 3. Voilà la bonne réponse. 4X inférieur à 6, donc, euh, comment il a devenu, donc, euh, voilà, donc voilà. Si on multiplie, on divise par 4. On x 4x sur 4, inférieur à 6 sur 4. Je simplifie. Regardez. Et je simplifie ici encore. a 3 sur 2. Voilà la bonne réponse. 5x supérieur à 3. Donc, euh, regardez. Je, 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 je soustrais 3 ici. 5 x moins 3. Supérieur à 3 moins 3. Regardez, ça va être quoi Voilà, ça va être ça. x supérieur ou égal à moins 2. Donc, euh, qu'est-ce qu'on a fait Donc, on a x supérieur ou égal à moins 2. Donc, euh, il reste quoi Ah, ici, on a multiplié par 3. Là, demain, hein Donc, ici, on a x supérieur ou égal à moins 2. x, ici, on a. 3x supérieur à moins 6. Donc, si je multiplie par 3, donc, je multiplie 3x supérieur à 3 fois moins 2 parce que j'ai multiplié par le même nombre, alors, ça va rester supérieur ou égal. Donc, attendez, il y a 3x supérieur ou égal à moins 6. Tout simplement. On passe au suivant. L'exercice 6. Regardez, comparez x et y dans chacun des cas suivants. Et là...

où regardez, euh, la bonne euh, question si vous voulez. Donc, qu'est-ce qu'on qu qu va faire ici Donc, pour comparer x et y, dans chacun des cas suivants, qu'est-ce qu'on va faire Regardez. D'ailleurs, on va vous allez constater qu'on a moins 8 ici, on a moins 8 ici. Donc, c'est comme si on a soustrait 8 aux deux, aux deux nombres, 1 sur 2016 et 1 sur 2017. Alors, ça revient à quoi Pour comparer X Y, ça revient à comparer 1 sur 2016 et 1 sur 2017. Et après, on va soustraire 8. Radin, Karn, ou Radin, Ça va rester le même ordre. Donc, euh, voilà. Mais, euh, mais que, quelle est la comparaison entre 1 sur 2016 et 1 sur 2017 C'est que 1 sur 2016, et 2016, il est supérieur à 1 sur 2017. Pourquoi Parce que 2016, il est inférieur à 2017. Deux nombres qui ont le même, si vous voulez, le même numérateur de fraction. Celui qui a le plus petit euh, numérateur, euh, dénominateur, ou grand. Donc, on va dire 2016, il est inférieur à 2017. C'est ça Alors, donc, 1 sur 2016. Il doit être quoi supérieur à 1 sur 2017 et après je vais soustraire 8 8. 2016 moins 8 est supérieur à 1 sur 2017 moins 8 tout simplement regardez ici donc regardez donc donc y je vais rectifier y l'ardo y c'est quoi

donc, du coup, là, 2 à la puissance 1437, il y a 2 fois 2 à la puissance 1436. Égal à quoi Donc, coup, de, attends, il faut moins 0,6 fois 2 à la puissance 1436. Donc, vous allez constater maintenant qu'on a le nombre 1 le même nombre. Donc, il suffit de comparer moins 5 et moins 0,6. C'est ça. Donc, regardez. Donc, il faut bien maîtriser le calcul sur les, les puissances. Donc, on va dire, on a... Donc, ça revient d'abord à comparer uniquement parce qu'on a multiplié par le même nombre positif. Donc, il suffit de comparer moins 5 et moins 0,5. On va dire, on a... On a moins 5 inférieur à moins 0,6. Donc, qu'est-ce qu'on va faire On va multiplier par le même nombre. Moins 5 fois 2 à la puissance 1436. Il est inférieur à moins 0,6 fois quoi Fois 1400 1432, pardon, 1436. Mais ce nombre-là, donc elle le nombre, ah ouais, à, ouais avec le nombre d'où, on va dire d'où, moins 5 fois 2 à la puissance 1400, pardon, 1436, il est inférieur à moins 0,3 fois 2 à la puissance 1437. Tout simplement. On passe au suivant. Donc euh, presque la même chose ici, regardez. Donc euh, pour comparer ces deux nombres-là, regardez, on a soustrait le même nombre, ah, on voit, je te vois. moins 10 puissance 2017, moins 10 puissance 2017. Donc on va comparer 17 sur 16. On va dire, on a, donc ici, on va dire, on a 17 sur 16. 17 sur 16 ou bien 27 parce que ici je peux euh, non donc on va je crois quici qu'on va les mettre au même ur donc euh, c'est quoi le ordinateur commun donc il faut chercher le l'ordinateur commun ou bien on va multiplier c'est pas grave donc on peut dire euh, donc euh, 4 donc euh, 16. Donc on va multiplier par 7, je crois, 9 euh, 7, Ou on va multiplier par 4, c'est ça. Donc euh, je crois, donc euh, Ou bien on va faire la différence. Hein, on va dire 17 sur 16, moins 27 sur 28. On va étudier la différence. la différence. On va voir. Donc, on aura 17 fois 28 moins 27 fois 16 sur 16 fois 28, 16 fois 28. Bien sûr, là, ce qui nous intéresse, nous, qu'est-ce qui nous intéresse Ce qui nous intéresse, c'est, euh, si vous voulez, oh, la, 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 le signe. Ce qui nous intéresse, c'est le signe. Donc, ici, je peux... Dire, donc, euh, regardez, donc euh, 17 fois 28. Donc je peux faire même des calculs. 17 fois 28. Donc, dingolo 17 fois 28. 17 fois 28. Égale à 476. 476 moins. Quoi encore? 27 fois 16 432 moins 432 je peux même je ne vais pas faire des calculs, vous allez constater que Ada il est supérieur à celui-là donc il est positif donc l'Ardoumaïa on va avoir un nombre positif donc c'est supérieur donc on va dire donc 17 sur 16 il est supérieur à 27 sur 28. Qu'est-ce qu'on va faire? On va soustraire le même nombre. Donc 17 sur 16 moins 10 puissance 2014 doit être supérieur à 27 sur 28 moins 10 puissance 2017. Ici regardez, vous allez constater, a dit que a dit le même nombre à hein? voir. Donc qu'est-ce qu'on va utiliser Donc on va d'abord hein, euh, euh, comparer ces deux nombres-là, celui-là et celui-là. Donc ça fait. Donc on va comparer ces deux nombres. Qu'est-ce que vous constatez Donc esmoqat vous allez constater que ce nombre-là, donc on a 1435 on a 1435, voilà, c'est l'inverse. Elle hein, l'inverse de, de celui-là. Donc on va dire donc regardez, et on a un hein, le signe moins, faites attention. Donc on va dire 1435 1435 sur 1436 il est inférieur à 1436 sur 1435. Pourquoi Parce que celui-là, ce, celui ce, ce nombre-là, il est inférieur à 1, regardez. Héde le nombre, il est inférieur à 1 parce que le numérateur est inférieur au numérateur. Et celui-là, il est supérieur à 1. 1436 sur 1435. Nardomaya, est inférieur à 1, est supérieur à 1. Mais lorsqu'on multiplie par moins 1, ou bien par Héde le nombre, Héde le nombre, Héde 2006, Aoule a droit moins 1, c'est pareil. Donc, il a droit moins 1, Aoule a moins 1400. 36 sur 1435. On a, on a multiplié par moins 1. On a passé au, à l'opposé si vous voulez. 35 sur 1436. C'est ça. Et maintenant, je vais multiplier par, 2016 par euh, 2017. C'est un nombre positif. Donc moins 1436 sur 1435. Je vais le multiplier par 2016 sur 2017. Il doit être inférieur à 1435 sur 1436 fois 2016 sur 2017. Tout simplement. On passe au suivant. Donc, la dernière question, retrouver le rangement demandé en utilisant la fonction du tri d'un tableur euh, tel qu'Excel. Donc, l'Excel, euh, c'est un tableur où on peut, c'est un logiciel, dire les nombres et il va vous... Il va ranger les nombres. Donc, c'est comme euh, 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 le rangement des nombres, c'est-à-dire la comparaison entre A et B, etc. Vous savez Dans chaque cas, bien sûr. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'utiliser les propriétés et les règles qu'on a vues dans la leçon, bien sûr. L'exercice numéro 7. Regardez maintenant. X et Y sont deux nombres rationnels. A égale 2x moins y plus 3 sur 4, moins 3 sur 4, héda, x et y, deux nombres, hein. on ne sait pas le, 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 x, qui est x et qui est y. Mais ma tête, je vais vous x et y. Ici, on a 9 sur. B, c'est quoi 9 sur, 5 sur 9 plus y moins 1 sur 6 moins 2, facteur de y moins x. Comparer les nombres A et B. Donc, pour comparer A et B ici, qu'est-ce qu'on va faire donc qu'est-ce qu'on va faire Donc euh, dans ce cas-là, je vois que euh, la, la, la façon la plus, la plus sûre, si vous voulez, c'est de faire la différence. Donc, là, Radin, la différence. Radin, on va, on va, euh, on va euh, étudier le signe de la différence. A moins b. Donc, on dirait A moins B, et on va voir euh, la différence de ces deux nombres là. Donc euh, regardez, qu'est-ce qu'on va faire Donc la différence, on a 2x, c'est pas grave, L'ardeau de a moins b ou la b moins, c'est pareil. On a l'essentiel, si on trouve a moins b supérieur à 0, on va dire euh, a supérieur à b. Et si on trouve a moins b inférieur à 0, on va dire que a inférieur à b. On a ici 2x, regardez, moins... Parenthèse y plus 3 sur 4. Moins 3 sur 4. Voilà. Moins, regardez, 5 sur 9. Plus y. Moins 1 sur 6. Moins 2 fois y moins x. Donc, regardez. Donc, ici, on va dire 2x. Moi, je vais supprimer les parenthèses. Moins y. Moins 3 sur 4. Moins 3 sur 4. Moins 5 sur 9. Donc faites attention ici. Ou bien, je vais d'abord supprimer à de la parenthèse à 10 pour euh, ne pas avoir de problème. y. Moins 1 sur 6. Moins 2y. Plus 2x. Je supprime, regardez. 2x moins. Le calcul littéral. Faites attention. Moins 3 sur 4. Moins 5 sur 9. Moins y. Plus 1 sur 6. Plus 2y. Moins 2x. 2x moins 2x. Donc faites attention. Moins y, moins y, plus 2y. Regardez, moins y, moins y, ça va donner moins 2y, plus 2y, c'est 0. Ça y est Égal à quoi Donc, euh, moins 3 sur 4, moins 3, c'est moins 6 sur 4. Donc, on aura moins 6, regardez, moins 6 sur 4, moins 5 sur 9, plus 1 sur 6. Vous voyez Plus 1 sur 6. Donc, euh, on va encore calculer. Donc, euh, ça va donner quoi Le dénominateur commun, c'est 36. Donc, c'est 36. Euh, ou bien 18. Donc, je peux simplifier ici. Là. Donc, je peux dire moins, moins 3 sur 2. Moins 5 sur 9. Plus 1 sur 6. Donc, le dénominateur commun, c'est... 18 donc euh, regardez je peux dire donc euh, 18 donc euh, moins 27 sur 18 j'ai multiplié 2 par 9 moins je multiplie 9 par 2 donc 10 sur 18 6 par 3 j'aurai 3 sur 18 égal regardez moins 27 moins 10 plus 3 il est clair qu'il est négatif donc, quelque chose sur 18. Donc, euh, moins 24, moins 34. Euh, moins, 20, euh, moins 24, voilà. Moins 10, c'est moins 34. Euh, plus 3. Et il y a des différence. Moins 34, moins 34, inférieur à 0. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé On a trouvé A moins B, inférieur à 0. D'où, on peut dire, d'où, donc. Euh, D'où A il est inférieur à B parce que la différence est négative. Donc euh, ici, comparer, donc on va utiliser notre euh, règle que j'ai nommé la règle principale, si vous voulez. Donc le n'a x est un nombre positif non nul. Comparer x plus 1 sur x et x sur x plus 1. Donc, euh, <coughs> donc qu'est-ce qu'on va faire ici on va, on va étudier la différence. Donc, on va écrire x plus 1 dans ce cas-là. Donc, à Dingolo, x plus 1 sur x moins x sur x plus 1. Ça va être quoi, regardez Donc, euh, x plus 1 fois x plus 1, ça va donner x plus 1 au carré moins x au carré sur x facteur de x plus 1. Je développe, regardez, on aura x au carré plus 2x plus 1 moins x au carré. Donc, euh, qu'est-ce qu'on aura sur x, x plus 1 Donc, je simplifie. Qu'est-ce qu'on aura 2x plus 1 sur x facteur de x plus 1. Et n'oublions pas que notre x, il est positif, non nul, c'est-à-dire supérieur, donc ça, c'est supérieur à 0. Parce que tous ces nombres-là sont positifs. Qu'est-ce qu'on va dire On va dire que x plus 1 sur x, il doit être supérieur à x sur x plus 1. Ici, la même chose. Donc on va écrire 4x plus 1 sur 2x moins... 4x sur 2x plus 1. Donc on va multiplier 4x. Regardez, 4x plus 1 fois 2x plus 1. Moins 2x fois 4x. Donc euh, fois 4x. Voilà, regardez. 2x facteur de 2x plus 1. Je développe le calcul littéral. 8x au carré, plus 4x, plus 2x, plus 1, moins 8x au carré. Je simplifie par 8x au carré, regardez. Et moins 8x au carré. Ça, c'est un nombre positif. Donc, on aura 6x, regardez. 6x, plus 1. Sur quoi 2x. Facteur de 2x plus 1. Et ça, c'est un nombre positif parce que x est positif et tous ces nombres-là sont positifs, positifs. Donc, on aura supérieur. Donc, 4x, 2x plus 1 sur 2x, il est supérieur à 4x sur 2x plus 1. Et ici, on a trouvé encore x plus 1 sur x, il est supérieur à x plus 1. Donc, euh, voici les derniers exercices, si vous voulez. Donc, euh, l'exercice 9. A et B sont deux nombres euh, rationnels tels que A il est, entre, il est encadré par 2 et 3 et B il est encadré par moins 4 et 4. Comparer. Pour comparer, on va faire la différence. Donc, regardez bien. On va euh, étudier la différence. Donc, 2A moins b, et on va étudier le signe de la différence. Euh, 2a moins b plus 3, c'est ça moins, moins 3, plus 2b, moins 7. Regardez, donc on va faire la différence. 2a moins b, euh, plus 3, plus, je supprime les parenthèses, plus 3a moins 2b, je change les signes. Hein? Donc euh, voilà, 2a. Donc ici on aura 2a plus 3a, c'est 5a. Moins b, moins 2b, c'est moins 3b. 3 plus 7, c'est plus 10. Donc euh, c'est ça. Voilà. Donc voilà, 5a moins 3b plus 10. Mais comment on peut connaître le signe de cette expression qui fait sur la le signe du LH, 5a moins 3b. Donc comment on va encadrer maintenant la quantité? On va l'encadrer. Comment on va encadrer ça? Regardez. On a A, il est entre. Entre quoi? Entre 2 et 3. Regardez bien, c'est très important. Donc on va encadrer 5A. Je vais mettre l'encadrement de bas. Donc je vais multiplier par 5. Donc radine 9,5, 9,5, 9, 9,5. Donc j'aurai 10 inférieur à 5a inférieur ou égal à 15. Voilà l'encadrement du 5a. Euh, je vais en euh, moins 3B. Je vais encadrer moins 3B. Et je vais faire la somme et je vais additionner 10. Donc voilà, c'est très important. Donc B. On a B, il est entre moins 4 et 4. Donc l'encadrement de moins 3B. Donc je vais multiplier par moins 3. Donc je vais euh, multiplier par 4. Par moins 3 aussi 4. Donc quand vous voulez NA, regardez. Moins 3 fois 4, ça va être inférieur ou égal à moins 3B. Regardez. Alors les drops de moins 3 NA. Moins 3. Donc je vais changer l'ordre parce que j'ai multiplié par un nombre négatif. Faites attention. Donc là, on a dit moins 12 inférieur à moins 3b inférieur ou égal à 12. Donc faites attention. Donc voilà moins 3b. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais additionner un j'maida. L'encadrement d'Inde Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va, on va écrire 5a plus moins 3b, c'est ça. Donc voilà l'encadrement de 5A plus moins 3B. Les ou à 5A moins 3B. Donc je vais euh, supprimer la, 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 la parenthèse. Donc, à dire 10 plus moins 12, voilà. Et ici 15 plus 12. Regardez, c'est quoi ça Donc ici 10 plus moins 12, c'est moins 2. C'est ça Inférieur à 5a moins 3b. Inférieur ou égal à quoi Donc ici, 15 plus 12, ça va donner 25. C'est ça. Donc, euh, donc qu'est-ce qu'on a maintenant 5a moins 3b. On va encore additionner 10. Radin, zidu, sera et 10. Pour avoir l'expression 5a moins 3b plus 10, il y a la différence entre 12. Donc qu'est-ce qu'on va dire On va dire maintenant inférieur ou égal à 5a moins 3b moins 10. Inférieur à 25. Non, plus, ce n'est pas moins. Il hey, y a plus 10. Plus 10, donc plus 10 et moins 2 plus 10. Ici on aura 8 inférieur à 5a. Moins 3b plus 10 inférieur à 35. Qu'est-ce que vous constatez Quand vous N5 à moins 3b plus 10, il y a la différence. Il est positif. Pourquoi Parce qu'il est supérieur à 8 qui est lui aussi qui est positif. Donc, vous parce que 8 est positif. Donc, il est positif. D'où on peut dire quoi Donc, puisque c'est positif, donc 2a moins b plus 3, il doit être supérieur ou égal à moins 3a plus 2b moins 7. Tout simplement. Et à la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire la partie 4 de notre leçon Ordre des nombres rationnels et opérations. On va corriger les exercices de la page 157. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Et à très bientôt